L'année 1712 commença sous les auspices les plus fâcheux. Le père, la mère, un enfant, enlevé en 8 jours par une rougeole très maligne, et enfermé dans le même cercueil. Le duc d'Anjou, le futur Louis XV, ne fut sauvé que parce qu'on lui fit moins de remèdes qu'aux autres. Le roi supporta ses malheurs avec un courage héroïque, donnant lui-même les ordres et réglant le cérémonial, qui, dans les cours, et surtout en France, est une affaire d'État. Mais, la première fois que j'eus l'honneur de le voir à Marly, après ces fâcheux événements, la fermeté du monarque fit place à la sensibilité de l'homme. Il laissa échapper des larmes. Il me dit, d'un ton pénétré qui m'attendrit, « Vous voyez mon état, monsieur le maréchal. Il y a peu d'exemples de ce qui m'arrive, et que l'on perde dans la même semaine son petit-fils, sa petite belle-fille et leur fils. Tous de très grandes espérances et très tendrement aimés. Dieu me punit. Je l'ai bien mérité. J'en souffrirai moins dans l'autre monde. Mais suspendons mes douleurs sur les malheurs domestiques. Et voyons ce qui peut se faire pour prévenir ceux du royaume. La confiance que j'ai en vous est bien marquée, puisque je vous remets les forces et le salut de l'État. Je connais votre zèle et la valeur de mes troupes, mais enfin la fortune peut vous être au contraire. S'il arrivait ce malheur à l'armée que vous commandez, quel serait votre sentiment sur le parti que j'aurais à prendre pour ma personne? À une question aussi grave et aussi importante, je demeurai quelques moments dans le silence. Sur quoi, le roi reprit la parole et dit. Je ne suis pas étonné que vous ne répondiez pas bien promptement. Mais, en attendant que vous me disiez votre pensée, je vous apprendrai la mienne. Votre Majesté, répondis-je, me soulagera beaucoup. La matière mérite de la délibération, et il n'est pas étonnant que l'on demande permission d'y rêver. Eh bien, reprit le roi, voici ce que je pense. Vous me direz après cela votre sentiment. Je sais les raisonnements des courtisans. Presque tous veulent que je me retire à Blois, et que je n'attende pas que l'armée ennemie s'approche de Paris. Ce qui serait possible si la mienne était battue. Pour moi, je sais que des armées aussi considérables ne sont jamais assez vaincues pour que la plus grande partie de la mienne ne puisse se retirer sur la Somme. Je connais cette rivière. Elle est très difficile à passer. Il y a des places qu'on peut rendre bonnes. Je compterai aller à Péronne ou à Saint-Quentin et ramasser tout ce que j'aurai de troupes, faire un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver l'État. Car je ne consentirai jamais à laisser approcher l'ennemi de ma capitale. Voilà comment je raisonne. Dites-moi présentement votre avis. Certainement, votre majesté m'a bien soulagé, car un bon serviteur a quelque peine à conseiller au plus grand roi du monde de venir exposer sa personne. Cependant, j'avoue, sire, que, connaissant l'ardeur de votre majesté pour la gloire et ayant déjà été dépositaire de ses résolutions héroïques dans les moments moins critiques, j'aurais pris le parti de lui dire que les partis les plus glorieux sont aussi souvent les plus sages, et que je n'en vois pas de plus noble, pour un roi, que celui auquel votre majesté est disposée. Mais j'espère que Dieu nous fera la grâce de n'avoir pas à craindre de telles extrémités, et qu'il bénira enfin la justice, la piété et les autres vertus qui règnent dans vos actions. Sans doute, ce qui faisait prendre d'avance au roi cette résolution pour ainsi dire désespérée, c'était l'incertitude du succès des négociations entamées au congrès d'Utrecht. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.